Et c'est tout, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons jouer à Celica GT Rally sur Amiga. Un jeu sorti en 90 sur la console. Alors que là, on a des temps bon, totalement faux, hein, c'est les temps à battre, 10 minutes par rally, ce qui va être totalement facile à battre. Donc, c'est un jeu de rally qui prend donc en compte la Celica GT de l'époque. Sachant que c'est une voiture qui a, sur plusieurs versions, a quand même été au moins pratiquement une bonne dizaine d'années en championnat. Donc on peut choisir de practice ou de démarrer un championnat. Si on fait select, on a les options. Alors je ne sais pas comment on fait select, mais bon, c'est pas grave. Et donc on va faire practice a track. Et on va par exemple prendre, pourquoi pas le Mexique. Et on va donc démarrer donc avec le petit chargement. Quelques sponsors, vous pouvez le voir, Securicorp qui à l'époque était très présent en tout cas dans le monde des rallyes, aussi en même en BTCC dans les années 90. Il y a même un souvenir chez ce sponsor, c'était sur les Nissan, il me semble. Si je dis pas de bêtises, les Nissan de 94 qui avait ce sponsor. Voilà. Allez, le petit chargement toujours aussi rapide en mode disquette. Allez, c'est parti, on va démarrer notre moteur. Et c'est parti. Donc c'est un jeu en vue donc embarquée, comme vous pouvez le voir ici. Avec voilà un petit peu de. Avec beaucoup de sable sur le. Et il est tapé. Et sur le pare-brise, alors vous allez voir que ça va revenir, voilà, évidemment. Alors que je pense 120 secondes de pénalité dès le début, c'est super. Allez, c'est parti, on enclenche la vitesse. Et voilà. Donc c'est un jeu en... Donc le tableau de bord est en 2D, ça on n'en doutait pas, hein. En 90 c'était quasiment... improbable d'avoir des d'avoir de la 3D au niveau d'une board. Oula, je fais n'importe quoi, je suis sorti de la piste, j'ai l'impression. Non, on va revenir. Et je vais encore prendre 20 secondes de pénalité. Bon, c'est parti. Donc, c'est un jeu de rallye, donc le but c'est d'arriver le plus rapidement possible jusqu'à la fin de la spéciale. On a un petit... on a un copilote qui nous donne des... Alors c'est incroyable parce que quand j'ai joué juste avant je faisais aucune erreur, là je fais que ça depuis tout à l'heure. On a un copilote qui nous donne nos indications, savoir où être le prochain virage, etc. Allez, je démarre, c'est parti. Et donc voilà, donc au niveau des graphiques, bon on est sur une... C'est pas de la 3D vraiment, hein. C'est comme ça se faisait à l'époque, la limite est que le circuit peut être devant nous qui est légèrement en 3D, l'effet de perspective. Mais tous les décors sont en 2D, juste répliqués et qui avancent devant nous. Donc là c'est le Mexique. Trois circuits uniquement. On a un circuit dans la neige, la Suède, que je ne vous montrerai pas. Je vous expliquerai pourquoi, alors que j'ai encore... incroyable, je suis comme planté. Je prends 20 secondes de pénalité. C'est pourquoi je ne vous présenterai pas le mode en Finlande, de la neige. Parce que comme vous pouvez le voir ici sur le pare-brise par exemple, vous avez énormément de sable qui vous bouche un petit peu la vue. Et bien dites-vous qu'en Finlande c'est la même chose avec de la neige, sauf que c'est tellement présent qu'en fait on voit plus rien. Voilà, on voit plus rien. Alors le sable a tendance à revenir légèrement suivant la vitesse, c'est-à-dire que si plus on va vite, plus le sable repart. Voilà, alors je pourrais expliquer quand même le maniement, si je pousse le pionnier vers l'avant, j'accélère, si je le mets en arrière, je freine, si je tourne à droite, tu vas à droite, et à gauche, il va à gauche. Donc, on va écouter un tout petit peu les sons du jeu, qui sont pas spécialement bien réalisés, mais bon. On va surtout écouter notre copilote, qui a une voix digitalisée plutôt correcte. Et là, on va arriver à la fin du circuit déjà, voilà, c'est terminé. La voiture qui va s'arrêter. On va faire un practice again, on va faire non, et on va commencer directement le mode Rally World Championship. Donc pour un jeu de 90, le jeu est ma foi plutôt bien réalisé. Alors le maniement c'est très difficile pour vous de vous en rendre compte, mais il y a quand même une petite gestion de la glisse dans les virages. Même si la framerate ne permet pas de le rendre de manière super réaliste.
Donc on va faire Start the Toyota World Rally. Donc le driver lineup c'est Fungus the Bogeyman, je ne sais pas. Different driver ça fait être échappe. Si je fais échappe par exemple. How many drivers? D'accord, donc je peux choisir 1, 2, donc on va mettre 1. Je sais pas comment je vais faire 1 d'ailleurs, voilà. Drive Namer, on va mettre mon autre nom, parfait. Avec un beau clavier. Clavier à l'américaine. Voilà. Ok, donc on va faire le rallye d'Angleterre. Donc on a des touches qui nous expliquent par exemple pour le code driver préparation CF1. Si on veut qu'il nous prépare. Pour sauvegarder la position CF9, pour charger la position CF10 et pour démarrer, c'est le bouton Fire, donc bouton classique. Donc nous allons lancer la première partie du rallye. Enfin, le premier rallye. Angleterre. Je ne connais pas le tracé, j'ai juste testé Mexico un petit peu avant. Et un petit peu la Finlande. Évidemment pour découvrir ce premier circuit. Enfin, circuit, premier spécial. Allez, quand le jeu veut, évidemment. Ah, parfait. Allez, démarrez. Start your engine. Démarrez votre engine. Et c'est parti. Donc on est en Angleterre. Bon, on pourrait être dans n'importe quel pays, en fait, ça serait pareil, puisque concrètement, ça ressemble à un pays, n'importe quel pays. Alors on a une petite maison, qui sont en trois dimensions, par contre, ça c'est un petit détail sympa. Voilà, là je pars complètement, vous avez vu, je pars complètement en dérive de l'arrière quand je suis dans l'herbe. J'ai un peu plus de grip quand je reste sur la piste, ce qui est totalement logique évidemment. Mais c'est quand même plutôt bien rendu. Et là je vais me prendre un arbre, voilà. Parce que je n'ai pas assez freiné. Donc on va se remettre sur la piste, on va prendre 20 secondes, voilà, jusque là tout va bien. Et on redémarre. Alors je n'ai pas d'autre vue, j'ai que cette vue, donc c'est la vue embarquée classique. Quel petit effet quand même de dérapage quand même. J'ai tapé un petit peu la bordure. On va essayer de se concentrer un petit peu. Je vais me taire un tout petit peu quand même. Et on va écouter ce magnifique son du jeu. Aïe, et voilà, on a un peu trop à l'extérieur, du coup on a tapé l'arbre. On peut avoir le temps d'un coup sur la... dans la voiture, 2 minutes. Alors je pense pas faire un temps correct loin de là, hein, parce que de toute façon on s'est planté trop souvent. Ouh, je suis passé à travers les arbres. J'ai réussi à pas toucher. Et on arrive sur le finish. Alors j'étais très 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 mauvais, hein, vous l'aurez compris. Donc là on arrive sur le finish. Je pense pas que ce soit un temps exceptionnel, mais bon. Le finish qui est fait limite à la main, quoi. Hein. Vous pouvez voir au niveau des écritures. C'est quand même assez brouillon. Et alors, on est 30e. Puisqu'on finit le tour à 2 minutes 27. Donc c'est là qu'on a quand même 30 pilotes. Alors, je ne reconnais... Ah si, on a des licences, regardez, on a Kenneth Ericsson, Carlos Sainz, Colin McRae, alors il manque le A, on a Jimmy McRae, Stig Blomqvist, je me demande si c'était pas lui aussi ça me parle, alors on est évidemment on est en 1990, donc les noms des pilotes je m'en sais pas forcément, enfin voilà, mais bon, du coup on est 30e, ce qui est un temps assez pourri, regardez les écarts quand même qui sont assez faibles hein, entre les premiers stages, allez on va passer à la suite. England Stage 2, donc on va démarrer tout simplement. On va essayer de fermer dans cette séance. Je peux gérer légèrement le régime moteur en accélérant. Alors on va se concentrer, on va essayer d'écouter ce qu'il nous dit.
Ah, je vais passer pratiquement derrière le bâtiment et finalement. Finalement, non, ça s'est bien passé. Pour 20 secondes, c'est déjà fini. De toute façon, si on a 20 secondes de pénalité dans le jeu, si vous voyez la différence de temps, vous vous rendez compte. Quand il veut. Vous vous rendez compte que. Bah, c'est mort en fait. Hein. Si vous terminez pas sans pénalité, vous serez jamais dans le top 10. On va essayer quand même de battre la position 30. Ok, je suis passé à côté de la maison. Bon, je salue quand même l'effort pour faire des petites maisons en 3D. Alors, c'est un jeu qui est quand même assez difficile. On a l'impression qu'on a beaucoup de temps pour réagir, mais en fait, pas du tout. Comme je vous dis, la framerate étant assez basse, c'est quand même assez difficile de pouvoir anticiper. Voilà, là par exemple, on pensait vraiment que ça allait passer, mais en fait, pas du tout. Du coup, on reprend 20 secondes. Et on arrive sur le finish de la deuxième spéciale. 2 minutes 23, je pense qu'on a encore au moins 20 secondes, 30 secondes 2, si ce n'est plus. Et du coup, on a quand même gagné 3 places, on est 27ème. À 4 minutes, ouais, il y a quasiment 1 minute d'écart maintenant, on aurait 1 minute 30 d'écart avec le leader. On va avancer 45 et 6ème. Corsens qui a été un pilote Toyota. D'ailleurs, faire un bouton, ouais, c'est bon, on va continuer, on va faire la spéciale 3. On va voir si les spéciales changent au sein d'un même pays, si les spéciales sont différentes, c'est tout le temps les mêmes. Au niveau du décor. Alors pour le moment c'est parti, voilà, go! Et dès le départ, gros virage. Ah, ça monte un petit peu, petit effet dénivelé, voilà, ça c'est pas mal. Ouh, je vais me sauter, incroyable! Oh, encore un petit effet de saut. Mine de rien, ça marche un peu. On a quand même l'effet qui est présent. C'est très bref, mais on le ressent. C'est assez surprenant. Ok, encore une descente. Ouais, donc la spéciale déjà est quand même assez différente, ça c'est bien. Oula, alors là par contre ça commence à être compliqué parce que pour voir devant ce qui se passe. C'est difficile. Là, je suis à fond. Hein. Oh, attention. En plus, gérer les boss, c'est pas évident parce qu'on a l'impression que la voiture elle est totalement déséquilibrée. Alors, ça a un effet, je pense pas que le jeu gère ça quand même. Enfin, en 90, ça me paraît compliqué. On ralentit pour prendre le virage. Je vais essayer de pas faire d'erreur. On va vraiment voir ce que ça donne si on termine sans erreur et spéciale. Si c'est bien ou si ça reste quand même assez lent. Ouh, il y avait un petit saut là. Je m'étonnais pas. On va freiner un peu. Ouh, attention. Ouais. Ah, intéressante cette spéciale. Franchement, elle est intéressante parce qu'il y a beaucoup de changements, beaucoup de dénivelé. C'est un peu moins monotone que la spéciale 1, la spéciale 2. Oh là, c'est pareil. J'ai failli me faire avoir. Alors j'irai pas pour mon pied parce que bon quand même il faut que ce soit plus risqué que ça. Mais comme c'est pas mal, cette spéciale était intéressante. On va finir en 2 minutes mais je pense quand même que la spéciale était plus longue. 2 minutes pile, on va voir du coup notre classement. J'espère que le classement sera meilleur pour nous. Et on va finir 15ème, ce qui est plutôt honorable. Enfin en tout cas c'est le cumul donc on est en train de remonter, ça c'est bien. C'est David Livlin et Stig Blomqvist qui sont premiers, Jimmy Macro aussi, et Louise Acornwalker qui est quatrième. Ah, Joakim Kankkunen aussi, encore un pilote que je connais. Donc c'est parti, on va essayer de passer à la spéciale 4. Alors c'est paradoxal parce que c'est la spéciale la plus difficile sur laquelle j'ai le mieux réussi. Alors effectivement, au bout d'un moment, on commence à prendre un petit peu l'habitude.
Ah, il se met à pleuvoir. Et donc c'est parti. À voir si, si bien sûr la pluie, on arrive un petit peu à l'enlever ou pas. Ça a l'air de glisser un peu plus quand même, oui. Légèrement, enfin c'est vraiment léger. Pas très perceptible, par contre effectivement on voit plus grand chose, alors que là je suis complètement dans l'herbe. Alors l'idée de couvrir le pare-brise quand il pleut, etc. C'est une bonne idée en soi, mais elle est un petit peu exagérée. Disons que là franchement ça masque la visibilité, mais de manière tellement prononcée que ça en devient presque ridicule. Ma foi, en tout cas, pour le moment, on n'a pas fait de bêtises. Aïe aïe aïe, si je dis ça pour finalement me prendre un arbre. Allez, on repart. Et en plus, effectivement, avec la vitesse, le pare-brise se charge de plus en plus d'eau. C'est pas forcément facile. Alors, je vais prendre la maison, on passe à côté. Ouh, c'est bon. On a réussi à passer à travers. Ce qui est bien aussi, c'est que j'ai l'impression qu'au niveau du décor, on est assez libre. Si on compare par exemple à Verali 1, 2 ou même Verali 3, où c'est très. Là, vous sortez légèrement de la piste, le décor, vous partez en tonneau, enfin, on sent qu'il y a quand même un mur un peu invisible qui vous empêche de sortir. Et ben là, étrangement, on n'a pas cette impression. C'est-à-dire qu'on peut sortir de la piste, aller derrière les maisons, et ben, le jeu l'accepte. Le jeu permet de le faire. Alors si je devais comparer à notre jeu de l'époque, bien entendu je comparais ça à Formula One, qui était quasiment totalement en 3D. Alors évidemment par rapport à ce jeu-là, il n'y a rien à voir, le jeu est quand même bien moins bien réalisé. Mais autant réaliser un jeu de Formule 1 c'est déjà pas facile, autant réaliser un jeu de rallye c'est encore plus compliqué puisqu'on est sur des décors qui sont beaucoup plus riches, sur des spéciales qui demandent d'avoir des décors un peu plus, plus vallonnés, on n'est pas à des vitesses très élevées, donc enfin, c'est quand même assez différent. Ouh, 9e temps quand même, hein. On est en train de remonter. Dans le top 10 maintenant. Pas mal, même avec mes 20 secondes de retard. Et je pense que j'aurais pas pris mes 20 secondes, j'aurais peut-être pu être encore devant. On va voir le stage 5 ce que ça donne. Pour l'instant, le jeu est quand même plutôt bien réalisé, mais si on devait comparer à Formula One, effectivement, de Microprose, c'est quand même bien en deçà. Après, le jeu n'est pas foncièrement mauvais. Franchement, je le trouve même assez correct. Je vous rappelle que j'aime pas du tout le genre de jeu, en tout cas, enfin, dans les années 90, à cause de ça, parce que voilà, c'est souvent les mêmes graphiques, souvent les mêmes façons de piloter, c'est souvent des. Voilà, c'est de la fausse 3D. Mais là, mine de rien, ça passe plutôt bien. Attention, voilà, attention, ouais, voilà, du coup, on est. Ah, non, là, le jeu a quand même décidé que j'avais fait de la merde, donc du coup, il va me mettre 20 secondes, c'est dommage. Vous allez voir, hein, c'est au moment. Oui, il faut pas que je me plante, c'est dans la partie les spéciales les plus faciles que je vais me planter. Ah, j'en tiens un peu, attention. Par contre, le co-driver comment dire, ne m'aide pas trop. C'est un peu dommage. Voilà, c'est bien de me prévenir qu'un visage à droite, mais si c'est pour me prévenir quand je suis dans le virage, c'est un peu moins intéressant. Oui, la framerate quand même qui a du mal à certains moments. On sent que quand il n'y a pas de décor, ça va. Le jeu est beaucoup plus fluide. Par contre, quand il y a du décor, ouais, voilà, ça raconte, il a vraiment du mal. Pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. Voilà, je freine quand même pour prendre le virage. Ah, vous remarquez que je suis toujours en cinquième. Je sais pas si c'est normal ou si c'est juste parce que je ne change pas les vitesses. Peut-être que je devrais changer les vitesses. Mais je vois pas comment pour le moment, donc je le fais pas. On passe derrière les arbres. On revient en piste. Ce que je veux, c'est pas prendre de pénalité surtout. Alors, quand on est dans l'herbe, c'est vraiment difficile d'en sortir. Alors, ils auraient presque pu mettre. Bon, c'est vrai que c'est un jeu de rallye, donc. Aïe aïe aïe. Presque pu mettre une petite musique, quelque chose qui fait un peu d'ambiance, parce que c'est quand même assez plat. Allez, on démarre. Allez, démarre ton moteur, s'il te plaît. Voilà, parfait. Le temps qu'on perd à chaque fois pour redémarrer, c'est impressionnant. Là, je consomme ma vitesse, mais peut-être que j'aurais dû ralentir un peu plus. Non, c'est bon.
Voilà, je réduis ma vitesse à chaque fois que je prends un virage. Ah, il a 3 minutes de séance, donc je pense que c'est bientôt fini au niveau du tour. Donc ce sera vraiment la spéciale la plus lente. La plus longue. Ouais, c'est terminé. 3 minutes 7. Bon, je pense que là, malheureusement, on est loin d'avoir fait un bon temps, donc je risque de redégringoler dans le classement. A voir si l'IA fait des erreurs aussi, on sait jamais. Et voilà, on repart 14ème, ça m'étonne pas. Yoakam Kunen qui monte en deuxième position. On a combien? 28 minutes de vidéo. Alors je vais voir si c'est intéressant, s'il y a encore la suite. Ouais, SH6. À la limite, on va finir le rallye d'Angleterre. Et on se laissera là-dessus. Ouais, il faut pas trop prendre son temps, sinon le pare-brise devient vraiment. Quand tu veux. Devient vraiment trop sale, enfin trop mouillé. Et ça devient incontrôlable. Alors là, c'est la même spéciale. Enfin, en tout cas, ça ressemble un peu à la spéciale qu'on a fait avant avec des dénivelés. Sauf qu'elle est où? Elle est encore plus. Ouh, c'est compliqué. C'est compliqué. On est sorti trop large. Et du coup, le jeu va nous infliger pardon, 20 secondes de pénalité. Ce qui est bien dommage. Ok, donc on a dit cette spéciale va être très très difficile. Parce que on a aucun grip. Et j'ai dit un petit peu de bêtises au niveau de la liberté, effectivement si on abuse un peu trop de l'extérieur, enfin si on va un petit peu trop loin, eh bien le jeu... Oula, c'était left, j'ai pris l'arbre. Ah, je sens que ça va être une catastrophe cette spéciale. Si on abuse trop d'extérieur, bah, le jeu nous pénalise, même si on touche pas d'éléments. J'ai l'impression de faire totalement n'importe quoi. Ah, c'est déjà pas évident sur le sec cette spéciale, mais alors sous la pluie. Ma foi, on va quand même essayer de faire une bonne spéciale, même si c'est déjà raté, hein, c'est sorti deux fois. A chaque fois qu'il va dire un mot. Heureusement, on s'est fait ralentir par le poteau, sinon je prenais l'arbre. Alors encore un virage à droite. Oui, là c'est quand même vraiment difficile de voir ce qui se passe. Au niveau de la framerate, on doit peut-être être à 10 images secondes. Ouais, on doit être à 10 images secondes, quelque chose comme ça. Oh, on s'est planté. J'aurais pas cru. J'aurais pas cru. Allez, on va redémarrer le moteur. On passe la vitesse. Super, c'est parti. Alors normalise par heure, mais de toute façon ça sert à rien puisqu'on ne voit même pas la vitesse en fait. On voit juste le compteur. Et potentiellement le compteur irait à 200 ou irait à 100 km/h, je verrai aucune différence. Allez, on freine un petit peu, là on freine un petit peu ici. Ouais, c'est quand même assez ridicule toute cette eau. Graphiquement parlant, il n'y a pas d'effet de transparence, donc c'est un petit peu ça qui est problématique. S'il y avait un effet de transparence, ça serait pas un problème. On aurait pu avoir visibilité un peu meilleure, tout en gardant le même principe des pixels rajoutés sur l'écran. Oh, je suis sorti un petit peu large. Non, ça va, il retombe les vitesses, effectivement. Alors, je vous ai pas montré, mais on peut aussi mettre le mode manuel, que je n'ai pas fait, hein, le jeu était assez compliqué comme ça. Et on va arriver sur le finish en 3,58, donc je pense que c'est un temps qui est assez mauvais, mais bon. On va voir si je reculerai beaucoup dans le classement ou pas du tout. Et on est 18ème, on a quand même reculé, on est... Ouais. Ouais, jeu quand même assez compliqué, mine de rien. Allez, position après Sir Ali, est-ce que c'est terminé? On est encore un stage 7. Bon écoutez, on va s'arrêter là-dessus, de toute façon, vous aurez compris. On va juste, si quand même faire une petite dernière, mais je pense qu'on va s'arrêter pour une demi-heure de vidéo. De toute façon, vous avez compris, il n'y a pas grand-chose à expliquer. On va faire les trois rallyes normalement, le rallye d'Angleterre, le rallye du Mexique et le rallye de Finlande, un peu à la suite. Et une fois que ce sera terminé, bah, évidemment, le but pour vous, c'est d'être premier. Il ne sera absolument pas notre cas ici pour ce rallye d'Angleterre. Je vais essayer de faire une bonne spéciale pour terminer en beauté. Peut-être que c'est la dernière spéciale aussi, hein. Bon, spéciale 7 ça m'étonne, mais en général c'est vrai que ça aussi entre 7 et 8 dans les jeux de rallye. Même si dans la réalité, il y a beaucoup plus que ça.
là je louvoie légèrement, voilà. Virage à droite. Ça passe. Non, pas l'arbre, attention. Ouh, j'ai failli me prendre. J'ai failli me prendre l'arbre. Ouais, virage assez long. On va freiner. Attention, virage qui se resserre. Voilà. Là encore, virage serré, on ralentit. Pour prendre le virage. Voilà, parfait. Ouais, pour l'instant ça se passe bien, je suis assez content. Attention à l'arbre! Ouh, c'est bon, c'est fait ralentir légèrement par le poteau. Oh, attention. Ouh, ça commence à ça devient assez serré là, en tout cas dans ces parties là spéciales. Elle est très très longue hein, cette spéciale, vous l'aurez compris. Peut-être que c'est la spéciale qui cumule toutes les spéciales qu'on a faites, hein. On est déjà 2025. Ouais, non, elle aurait duré plus longtemps, je pense qu'elle aurait duré peut-être 6-7 minutes. Enfin, pour l'instant, on est dans les 6-7 minutes d'ailleurs. Attention, on l'arme. Non! Ah, quel dommage! Ah, là, si près du but, je pense. Et en plus, on prend 20 secondes. Allez, avance! C'est parti. Avec le petit saut et le finish qui était juste devant. Ah ouais, c'est dommage là. À 2-3 virages près, on faisait un sans faute. Bon, je pense quand même qu'on a fait une bonne spéciale. Je pense que j'ai peut-être remonté au classement. Bon, on va voir. Et on est 13ème, donc on est remonté effectivement. Voilà, 7 stages après, et c'est David Lynn, et du coup, non, il y a encore 8 stages. Vous voyez, c'est assez long, mais de rien, il y a pas mal de contenu, même si les spéciales se ressemblent un petit peu. Voilà, donc c'était Celica GT Rally sur Amiga, j'espère que ça vous a plu. Évidemment, ça a très très mal vieilli, mais le jeu, ma foi, propose quelque chose de plutôt intéressant pour l'époque. Il y a une petite sensation de conduite quand même qui est présente, c'est pas mou, c'est pas... Même s'il manque un peu de framerate, il y a quand même de quoi s'améliorer, de quoi vraiment anticiper les virages, c'est pas mal. C'est pas trop mal, franchement, ça reste mon ressenti, bien entendu. Mais le jeu, est pour moi, est assez correct. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve à la prochaine pour une vidéo. Ciao tout le monde!